Toulou, celle vie avec qui j'ai changé, jadis les plus tendres secrets. La 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 la, on faisait ton cœur, on faisait le mien, on avait quart d'heure. Les costumes, enlevez-moi les costumes. Benoît, la caméra, nom de Dieu. Benoît, vite, Benoît, viens ici. Naturel, les gars, comme tous les jours. Hein? Oh, comment la lumière? Partez! Hey! Oh non, coupé! Non, c'est pas bon! Vous faites des têtes d'auvergnats! Ah ouais? Oh, il me le... Pourquoi ils font cette gueule, les pêcheurs? Ils ont peur d'être cocus. Ils ont peut-être raison. Ah, elles sont jolies, leurs bonnes femmes. Toi, merde, on a 4 heures à dormir. Excusez-moi. Un petit peu d'incontinence. Ça cause de m'incontinence. Bon, bah, je la prends, elle va dans la mienne. Bonsoir. Tu devrais t'acheter des couches culottes. Capitaine! Capitaine! Oui! Capitaine! Je suis là! Capitaine! Il y a avarie de machine! Avarie de machine? Oui, capitaine! Passe devant! La mort!
Allez, le retour du pêcheur. Non. Rentrez à la maison tous les deux. Ma maman, emmène ton fils. Tu viens, Benoît? Bon, allez, vas-y. Oui, toi, le retour de l'homme. Là, le mâle après la pêche. Le mâle après la pêche. Bien mâle. Avant, sur moi, sur ma caméra. Voilà, viens là, là. Oh. Allez, viens, on continue chez toi. Bonjour, Nick. Bonjour, belle maman. J'ai acheté du carrelet. On va ouvrir la boutique. Ouais. Ben, tu viens, Benoît? Benoît, maman est m'embête. Oh. Parfait comme travelling. Bon, on t'accompagne chez toi, on va filmer ta maison bretonne. Voilà, j'ai un commentaire tout prêt pour toi, Bibichor. Ce village délicieusement hypercaïque représente un savoureux mélange de douceur et de sauvagerie qui n'appartient qu'à notre Bretagne. Nos maisons blanches aux toits de chaume, entourées de rosiers grimpants, ces mimosas contribuent à donner à notre Bretagne le label de qualité. Là. Retourne. Oui. Toi, tu prends le son. Moi, je fais un travail arrière sur ta maison. Hein. Moteur. Retourne. Regarde pas la caméra. Hé, je prends le son, moi. Bon, alors, qu'est-ce que je fais, moi? Continue. Le travail est parti. Hop. Hop. Donc, cache-toi, on te voit. Hey, t'as pas le grillé coupé? Ah, moi j'attendais. Hey, ça a été? Comme sur des roulettes. Ils arrivent! Ça m'arrive, machine! Ils arrivent! Ils arrivent! Ils arrivent! Ils arrivent! Ils reviennent! Ils arrivent! Ils arrivent!
Alors, vous voulez plus repartir? Non. La peur d'être cocu. Oui. Non, 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 eux qui soient jaloux, c'est leur affaire. Mais toi, toi, tu veux bien repartir, toi, puisque t'es pas marié. Toi. Ah ben moi, je marche avec eux. Je suis pas un jaune. Capitaine, c'est la maison du capitaine. Oui. Bon, il rentre dans sa maison. Attends. C'est la femme du capitaine avec le fils Marlec. Mais non, il a 12 ans, le fils Marlec. Bon, repasse-le que je vois mieux qui c'est. Alors, c'est la femme du capitaine avec le gardien de phare. Je reconnais, j'ai vu hier à la coopérative. Puis Mégane voulait plus repartir. Pourquoi? Ils ont des soupçons sur leur femme. Alors là, ils s'emmerdent. Surtout depuis la varie de machine. Cocu ou pas, ça n'a jamais empêché personne de faire du cinéma. Bibi, c'est le gardien de phare. Faut dire qu'ils n'ont pas tous trouvé leur femme à la maison. Bibi, c'est le gardien de phare. Ta mère se répète. Oui, maman, on a entendu. Il y a du monde dans la boutique. Je viens charger le matériel. Bibi, maman dit que c'est le gardien de phare. Dans la scène du retour du pêcheur, c'est le gardien de phare. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, je peux plus demander. Anne-main, allez. Allez, écoute. Vous êtes dingues tous. Hein? Tu le fais exprès de gueuler comme un âne, toi? Tu veux que tout le pays t'entende? Je te défends, tout cher Benoît. C'est pas lui qui a filmé, c'est toi. Bibi, viens voir. Regarde. Faut couper ça. C'est de la dynamite. Alors ça, ça doit rester entre nous. Si le capitaine ou les pêcheurs voient ça, on se fait virer un coup de sabot dans le derge. Ils nous flinguent. Ils nous flinguent. Il y a quelqu'un? Voilà, j'arrive. Dis donc, si quelqu'un du pays découvre ça, j'ai peur que ta carrière de cinéaste... C'est coupé? Oui, ça y est. Bon, allez, à la poubelle. Benoît, à la poubelle. Benoît! Il y a la poubelle. Alors toi, mon grand, tu ne dis rien. Ouais. Bonjour, madame. Ça, c'est le plan de l'amant, tu sais. Le cycliste? C'est le gardien de phare. Oh, dis donc, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Hein. J'aimerais pouvoir les donner. Je m'en charge. Je vais le secouer, ce mec-là. Allô, allô, qu'est-ce que tu vois, là? Je vois un striptease. Un gendarme qui enlève son pantalon. Il met sa robe de chambre, il se parfume. Il va ouvrir. À un autre gendarme. On t'a pas filé une longue vue pour questionner les gendarmes. Dis-nous plutôt ce que font. Non, toi, tu manques pas d'air. Tu les renseignes sur leur femme, mais t'oublies de dire que c'est toi qui couches avec elle. On t'a filmé en train de te tirer en enfilant ton bénard. Allô, allô. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les cinéastes qui viennent d'arriver. Allô, allô, est-ce que tu vois Marie-Jeanne en ce moment? Marie-Jeanne? Ah, la salope! Marie-Jeanne! La salope! Mais je l'aime, moi! Et elle me fait cocu, moi aussi! Marie-Jeanne, laissez-moi, je vais sauter! Laissez-moi, je vais buter! Laissez-moi sauter! Marie-Jeanne! Marie-Jeanne! Oh, lâche-moi! Lâche-moi! Allô? Allô? Est-ce que tu la vois en ce moment, ma petite femme chérie? On ne t'entend plus! Appuie sur le bouton, douille! Tu vois ma femme, là? À quoi, dis quelque chose, mère? Allô, Jean-Baptiste? Allô?
Allô? Allô, c'est moi, Pierrot. Eh ben, dis-nous ce que tu vois. Je vois la femme du bistrot. Maintenant, elle est à poil. Elle se brosse les cheveux. À poil? Oh. Allô, Pierrot? Hé, hey, ne laisse pas tomber. La barre, merde! Tu vois bien quelque chose, non? C'est intéressant. Décris-la, Pierrot. Comment elle est? Oh ben, je comprends que le bistrot soit venu de si loin. Hein. Elle mérite le détour. Elle est drôlement bien roulée. Oh, je peux même vous dire que la femme du bistrot, eh ben, c'est une vraie rousse. Oh, c'est une vraie rousse. Anne, qu'est-ce que tu fais? Tu laves les cheveux. Ferme la fenêtre. Pourquoi? Je te dis de fermer la fenêtre. Bah quoi, barre, merde. Elle est de dos maintenant, mais c'est très bien aussi. Anne, Anne, descends immédiatement. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais ils sont en train de faire le reportage de ton corps à la radio. Sors de ta chambre immédiatement! C'est à mort de ton mari! Vicieux! Non mais tu es pas folle de descendre ici comme ça! Enfin, qu'est-ce qu'il faut? C'est toi qui m'as dit de descendre. Mais comment je... Salut Antoine! Bonjour monsieur le Marlec. Bonjour. Ravi de votre visite, monsieur le député. Parce que c'est si rare de vous voir ici, en dehors des périodes électorales. Monsieur le Marlec a voulu m'écraser hier. Non, c'est pas vrai, non, non, surtout ne faites pas courir ce bruit-là, non. Oui, alors il vient m'offrir un verre pour que je m'écrase. Calva, comme d'habitude? Comment comme d'habitude? Mais je suis pas un habitué. Je viens très rarement, vous savez. Mais je vous crois, cher ami, je vous crois. Et pour monsieur le Marlec? Un calva, comme le cul de... comme lui, là, oui. Et vous, mon brave? Un double. Il est occupé trop de la place. Ah non, toi, tu vas pas servir comme ça, non, ça va pas être. Mais cache-toi, là. Voilà, monsieur Marlec. Ah. Vous savez qu'on a failli avoir un accident. Non. Ah, si. Alors, remarquez, j'arrivais sur votre droite, hein, j'avais la priorité. Ah. Non, on va faire un petit constat à la mienne, on va voir. Ah, ça vous serait pas arrivé dans un fauteuil roulant, hein. Ça m'a fait... Ah non, 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 vous n'allez pas recommencer, hein. Anne, viens nous voir. Ah non, Anne, il faut qu'elle reste au bar pour servir. Bah, il y a personne. Mais il y a vous. Bah, on n'est pas au bar, nous. Bah, c'est justement. Dis donc, t'es drôlement nerveux, en tout cas. Bah, oui, voilà. Bah, c'est fou ce qu'il est nerveux. J'ai jamais vu comme ça. Mais cache-toi, toi, pour qu'il débatte sur pardon. Mes amis, cul sec. Cul sec. Pourquoi cul sec? Monte dans ta chambre, toi. Tu sais vraiment pas ce que tu veux, toi. Monte dans ta chambre, je te dis. Voilà. Ça y est, les gars, elle est revenue. Des bistrots, elle a les seins en poire et la fesse haute. Ah, 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 il est sûrement cocu, ce mec. Et alors, voilà. Plus rien ne comptait plus pour elle que moi. Elle est mariée. Son mari s'en fout. Il n'y a que la pêche qui compte pour lui. Et avec moi qui comptait pour elle. Alors voyons, sois un homme, mère, sont les choses qui arrivent. C'est bien arrivé au capitaine, il pleure pas, lui. Mais lui, il sait pas. Moi, je sais. Ah, Pierrot, on va le filmer en train de travailler. J'ai ces folkloriques, un gardien de phare. Allez. T'as pas changé la vitesse, au moins? Non. Bon, éclaire-le. Montre-nous ce que tu fais tous les jours. Oh, c'est pas gay. D'abord, mon livre de bord, tous les jours, à chaque marée. Hein? Comment elle a marré? Benoît, regarde comment elle a marré. Haute. Haute? T'es sûr? Certain. Marré. Oh non, il marche sur mon cahier. Benoît, fais attention. Bon, après, après, allez, raconte. Deux, et le temps? Comment est le temps? Hey. Benoît, le temps. Humide. Humide.
c'est rien, ça. Continue. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Trois. Et en mer, rien à signaler. Ah, voilà votre dîner. Formidable. Hein? Il est beau. Hein? C'est bon, le ton. Oh oui, oh, c'est un bon plan pour moi, ça. Là, vas-y, Benoît. Un bateau, là-bas. Un bateau? Par cette mer? Venez regarder. Oh, qu'il est petit. Ah oui, mais c'est parce qu'il est loin. Oh, mais j'ai plus de pellicule, tiens. Bon, ben, c'est fini, le gardien de phare. Allez, on remballe. Toi. T'avances, ce film? J'aimerais bien le voir, moi. Au revoir, Benoît. Bon. Tiens. Ah. Bibi, elle est jolie, hein? Oui, ça, elle est mieux que toi. Ah, ouais, elle est jolie, elle est... Ouais, bien. Qu'est-ce que c'est? J'emmène voir mon pays. Parce que la Bretagne, je vais te dire, hein, j'en ai la tête comme une pastèque, hein. Elle m'a pourri la vie. Le climat, le vent, la marée. Chez nous, la mer, elle bouge pas. Ici, le temps d'allumer une cigarette, tu te retrouves avec un mégot. Pierrot, t'es là? Oui. Tu as connu ce qui est arrivé, ça va? Oui, ça va. Non, moi, je trouve ça bien. Alors, on le voit ce soir, hein. Il n'y a plus que 8 jours pour le concours. Oui. Ne touche pas. Oh, Benoît. Bibi, aide-moi. Bibi, descends. Dites-moi, monsieur Lemarlec, vous qui êtes bien introduit, je n'ai pas reçu l'information financière ce matin. Quelle est la tendance de la française des pétroles? Non, parce que, dites-donc, si ça baisse, moi j'achète de l'or. Écoutez, cher ami, je vous avoue que je ne suis pas très compétent dans ce domaine, non. C'est surtout ma femme qui... Allez, Albert. Évidemment, c'était le calfric. Hein. Oh, monsieur Lemarlec! Tu lui as parlé de notre film? Je lui ai dit tout ce que je pensais. J'ai l'impression que ça va être une propagande vivante pour le pays. Oui, ma femme m'en a parlé, oui. Mais vous pensez que, régionalement parlant, c'est valable? Valable? Mais si on gagne et qu'on passe à la télévision, on va être envahi de touristes. On ne saura plus où mettre les pieds. Hein. On porte le film dans 8 jours à l'ORTF. Si vous pouviez nous appuyer un peu. Mais je vais te dire... 5 qui font 10, 10 qui font ça. Mais je vais te dire une chose, Annie, chez moi, on se baigne 9 mois sur 12. C'est pas comme ici. T'en mets pas un peu. Mais je ne suis pas un voleur. Et quand tu te baignes, quand tu sors de l'eau, tu n'as pas besoin d'un par-dessus, comme ici. Oh, écoute, il fait beau aussi. Oui, il fait beau. Ah. 1 mois sur 12, il faut... Anne! Anne! Qu'est-ce que tu fais? Je t'attends. Écoutez, je pars siéger à la chambre et je vous promets d'en parler au PDG de l'ORTF. C'est un ami. Allez, Albert, au revoir. Au revoir. Ah, la prochaine fois, je voterai pour lui. T'as le droit de vote, toi? Ouais. Ah, ça va, Pierre, on te fatigue pas. Ah. Ah, et avec ça, ça va cacher complètement ta caisse. Ah, tiens, là. Là, bouge pas, je vérifie à la caméra. Hein. Ça va comme ça? Ah. Ah, alors là, je crois que ça va en épater plus d'un. Hein. Annick, on est prêt, descends! Non, reste à ta place, toi. Allez, parfait. On tourne.
Quand tu revenais de classe, tout le long du grand chemin, dès que je te voyais lasse, vers toi je tendais la main. Et je te ramenais chez toi, en te tenant bien gentiment. Par le petit doigt, long là, long l'air, par le petit doigt, long là, par le petit doigt, long là. Merde, Pierrot, reviens. Fais pas allez. Le con, ouais. Allez, on recommence, reprenez. Par le petit doigt long là, long l'air, par le petit doigt long là, par le petit doigt long là. Ah non, maman. Oui. C'est fini, oui, maman. Allez, Pierrot, reviens. Et faites pas les cons derrière. Excusez-moi. Comprenez, allez. Par le petit doigt long là, long l'air. Benoît, je te vois. Oh non, arrêtez. Tu as six jambes maintenant. Oh non, c'est trop là, c'est trop. Allez, Benoît, maman, allez. Allez, vous-en. Là, allez, reprenez-moi tout ça, hein. Bien gai, bien breton, là. Par le petit doigt, long, là, long, l'air, par le petit doigt, long, là, par le petit doigt, long, là, long, là, par le petit doigt, long, là. On arrête, je suis fatigué, moi. Que ce film vous aura fait mieux connaître notre belle province. Oh là là. Alors les gars, heureux? C'est chouette, hein, le Super 8. Non mais quel est le taré qui a eu l'idée de ce concours? C'est notre PDG. Voilà vos juges. Oh, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, messieurs. Le député Le Marlec pense que ce film a une chance. Moi aussi. C'est un ami. À vous de juger, messieurs. En votre âme et conscience. Et venez, cher ami, venez. Bon. Alors, allons-y. Passez, cher ami, passez. Oh, cher ami. Par ici. Il est bien évident que la mission de l'ERTF est... en particulier de son président directeur général... Cher ami. Oui, je vous disais donc que... Voilà, mon petit... oui. Oh, c'est bien. C'est même très bien. Bon, on bouffe quand? Maintenant. Oui, on a vu l'essentiel. Bon, ça va, arrête. C'est même ce qu'on a vu de mieux, hein. Alors, à Malvé, celui-là? Celui-là. Bon, alors c'est Symphonie Bretonne et nous on va déjeuner. Hein. Ouais. Thank you.
parle. Il est enfin enfant de cœur. Je demande aux personnes qui veulent communier de bien vouloir lever la main, s'il vous plaît. Plus haut à cause des coiffes. Lève la main, maman. Excusez-moi, monsieur le curé. Comme j'étais content quand même que c'est la victoire du pays, alors je suis venu pour le dire. Comment tu l'as su, l'amour? Eh bien, ils m'ont téléphoné de l'ORTF quand j'étais pas chez toi. Alors ils ont cherché sur l'annuaire, ils ont trouvé la crêpe d'Alger. Pour le maître autel et la présence du Saint-Sacrement? J'allais le dire. Alors, une dernière répétition d'applaudissements spontanés, à mon signe, attention! Jacques Roulant, l'antenne dans 30 secondes. D'accord. Bon, je compte sur vous, Eh bien, chers amis, c'est le moment venu de récompenser nos grands gagnants du concours Super 8. Et tout de suite, le président-directeur général de l'Office va remettre le chèque à nos heureux gagnants. Heureux de... La caméra est là, monsieur le directeur. Heureux de vous remettre ce chèque au nom de l'ORTF. Il faut dire que notre directeur a été l'instigateur de ce concours. Mais j'en suis fier et j'espère que nous n'en resterons pas là. Bravo, monsieur le directeur. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Devenir réalisateur à la télévision? Je vous préviens, il y en a déjà 798. Non, je pense me consacrer au Super 8. En tout cas, grâce à vous, monsieur et madame Kervadec... Kenavec. Les yeux de toutes les familles françaises sont tournés vers la Bretagne. Excusez-moi. Allô? Ah bon?
Ça y est, ils ont perdu notre film. Ah, dites pas ça, bouche à meux, hein. Ne dites pas ça, bouche à meux. J'ai hâte de nous voir. Ah, ça remarche. Très bien. Voici donc le film des merdes avec. Oh, par le petit doigt, l'on l'a, l'on l'aime, par le petit doigt, l'on l'a, par le petit doigt, l'on l'a. Mais comment ils ont fait ça? Oui. Hein? Je savais que ça vous épaterait. Tu es beau. Ce village délicieusement archaïque représente un savoureux mélange de douceur et de sauvagerie qui n'appartiennent qu'à notre Bretagne. Nos maisons blanches aux toits de chaume, entourées de rosiers grimpants, nos mimosas, nos jardins fleuris et parfumés, contribuent à donner à notre Bretagne le label de qualité. Arrêtez ! Voulez-vous arrêter ? Non, laisse, c'est marrant. Nul ne peut mettre en doute l'existence du mystère breton. Oh, hey, c'est la femme du bistrot. Anne, mais c'est Anne. Mais arrêtez la télé. Mais alors toi, tu dis rien, toi, hein? Toute la France voit ton cul. Tu dis rien. La France voit peut-être un cul, mais c'est un cul breton. Toi, c'est fini, tu m'entends? Toi, c'est fini. Tu sais ce que tu as fait? Tu m'as déshonoré. Emporté par la pénétration de nouvelles habitudes sociales. Le port du costume traditionnel se raréfie de plus en plus, les mœurs se transforment. Mais c'est pas moi! Mais non, j'ai jamais mis ça dans le film! Oh ben bravo! Mais j'ai jamais filmé ça, moi! Ces hommes, à l'image de ces pierres qu'ils ont dressées, restent comme elles, drapées de mystère. Nos courageuses et bigoudaines travaillaient la dentelle à l'ombre de ces dolmens. Cela s'appelait picoter. Elle picotait à l'abri de ces pierres qui sans doute en avaient vu d'autres. Habitué aux tâches les plus dures, le breton s'efforce d'oublier un instant sa peine en inventant d'autres façons de vivre. Il est avant tout passionné. Homme d'action, il ne peut s'empêcher d'être sentimental. Lutteur, il se laisse vaincre par les élans de son cœur. C'est là sa force et sa faiblesse. Y'a pas de site, tu veux. Et les choses devenues par l'entraînement. A visionné ce film. Mais je ne sais pas, monsieur. Mais cherchez, demandez, mais demandez. Qui c'est eux, je ne sais pas. Aucun de nous n'a filmé ça, c'est du sabotage. Ou alors c'est ton frère. Ah, il aurait sûrement pas mis ça dans le film, mon frère. Non, ça c'est ta mère. Va des rétro, satanas. Tais-toi, sale corbeau. Quand les corbeaux sont là, c'est que la charogne n'est pas loin. Ta gueule, épiscopale. Dieu me protège, cinéaste de mes fesses. Reste à vos places, reste à vos places. Soyez gentils. Alors moi, les tiens avec, tiens. Je t'en retiens pas, tu peux te tirer. La lutte bretonne, c'est l'occasion de joutes amicales, maintenance de la tradition qui permet aux concurrents de retrouver leur vraie personnalité. Et voici des mégalithes. Ces menhirs dont notre lande est généreusement parsemée. Ces pierres fièrement dressées comme de vigilants symboles sont présentes depuis l'éternité. Ces menhirs ont sûrement connu les druides cueillant leur qui avec dans l'œil une joie d'enfant. Dans le brouillard... Regagnez vos places. L'émission va continuer. Allô. Allô, la Chambre des députés. Passez-moi le Marlec. Oh, c'est une machination politique. D'abord, c'était un pique-nique. Vous amusez les enfants.
Le marin, c'était mon beau-frère. Non, non, non. Monsieur, silence. Silence, monsieur. Écoutez, cher ami. Si c'était pour amuser les enfants, c'était très réussi. Ils ont hurlé de rire. Albert, à la maison. Que trois tiennent avec, c'est trop pour une famille. Prends-moi ça, c'est à moi. On n'est pas mariés sous le régime de la communauté. Oh, ça, je... Mais tu peux tout garder. Ta boutique, ta mère et surtout ton frère. Alors, parlons-en de mon frère, t'as vu le tien ? Ah, tu vas pas comparer, non ? Non, et puisqu'on divorce, si tu as quelque chose à me dire, tu t'adresses à mon avocat, Maître Carbiglouze. Alors, salut et bon vent. La paille au cul, elle fait dedans. Tout dans la dent, t'as... Je vais le tuer, le gros poulet. Par ordre alphabétique. Oh. Le bagade Arégos. Fernand Verset. Les joyeuses Bigoudaines. L'inévitable Colette Brosset. Robert Castel de Babelouette. Micheline Dax de Pau. Ce pauvre Robert Derry. Jacques Duby. Et Isabelle Duby, Christiane, Christian Duvalex, Monsieur Jacques Ezer de la Comédie Française, les sœurs Goadec de Carex, Michel Lebihan et Alain Lebihan, Jacques Legras et Gros Lulu, ce malheureux Jacques Marin, Pierre Mondy, et bien sûr, les mouettes de l'Oshkagat. Le major François Nadal. Repos. Pierre Olaf. Robert Rollich. C'est moi. Jacques Roulant de l'ORTF. Pierre Tornade. Nos amis pêcheurs, Tola Coucouille, Maurice Ducasse et Bernard Montcourdin. Le jury, Joël Felzine, Jean-Michel Raffi et Jean-Paul Galli.
Et nos 6 millions danseurs, Annie Clément, Sophie Destin, Claude Jourdan, Régine Moreau et Jean Perrault. Sans oublier pour autant le pétaradant voltigeur. Merci.